Osage Mountains, Shenandoah River. Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, flowing like the breeze. Country roads take. But when the fighting is stopped and the fallout is settled, place, you must rebuild. I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, take me home, take me home, country roads. In Vault 76, our future begins. Et bien hop, salut à tous, gamins et gameuses. Aujourd'hui, c'est Lucas de la chaîne Docklandoff, pour moi-même en fait, pour cette chaîne YouTube, pour Docklandoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une Landoff analyse, ou je ne sais pas comment vous allez l'appeler, ou une analyse de trailer, tout bêtement. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler du trailer tant attendu, qu'on nous a teasé pendant 24 heures. La toile, entre guillemets, on va dire, s'est enflammée sur un fait que Bethesda a leaké. La sortie du futur Fallout 76. Il y a 24 heures, on nous avait déjà mis en avant un petit please stand by des familles et sur les pages Facebook de Bethesda et de Fallout. Par contre, je ne sais pas si sur Twitter bien il y a eu ça aussi. Mais sinon, voilà, on nous a leaké ça et 24 heures plus tard, le voici, le tant attendu teaser. Alors, ce teaser est très particulier, très sympathique. Pourquoi ? Déjà, le nom Fallout 76, donc Avril 76. Voilà. Pourquoi je dis Avril 76 ? Parce que le héros, on peut peut-être penser à ça, le héros fait partie de l'Avril 76. D'ailleurs, vous l'avez vu à la fin, il met un Pip-Boy qui, lui, d'ailleurs, le Pip-Boy, je sais pas, il a l'air d'être un prototype, un peu vieillot, enfin voilà, mais déjà bien plus propre. Le Pip-Boy qu'on a dans l'abri 111 ou dans les autres abris et ainsi de suite. Chronologiquement, ce Fallout 76 se situe avant tous les Fallout, si je ne m'abuse. Donc avant le A, le 2, mais je suis pas sûr. Pour le A et le 2, ça prend des pincettes parce que je ne suis pas sûr, j'ai pas joué au A ou 2. Je suis désolé si je dis une connerie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est avant le 3, le 4, le New Vegas et c'est tout. Normalement, il est avant tous les Fallout. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Dans le lore de l'abri 76, qu'on connaît d'ailleurs de nom grâce à Fallout 3 et à la Bible Fallout. Donc Fallout 3, pourquoi je dis Fallout 3 ? Alors, si vous avez joué au DLC Mothership Zeta, vous avez pu avoir une mention à l'abri 76. Mais alors, qu'est-ce que l'abri 76 ? Je vais vous sortir le petit texte de Wikipédia, enfin de Wikipédia, de Fallout Wiki, donc wiki assez correct, assez convenable, en FR, je vous mettrai en FR mes sources, c'est-à-dire les deux, voilà, les deux wikis que j'ai utilisés, ainsi que mon savoir intelligent, oh là là, je suis tellement beau, je suis tellement intelligent, non, mais plus sérieusement. Donc, je vais vous lire la petite chose, ici. Donc déjà, à l'heure actuelle, sa localisation est inconnue à l'abri 76. Et c'est l'abri 76 qu'on voit en image ici. D'ailleurs, voilà le prétendu héros de l'abri 76. D'ailleurs, toujours le même moteur graphique qu'avec Fallout 4, ce qui me déplaît pas vraiment parce que j'ai trouvé Fallout 4 très beau. Bon, bref, ça c'est... Passons, c'est des trailers, on sait très bien comment ça va se terminer à la fin, ça va pas être les bons graphismes, ça va être pas beau, enfin, bref, ça va être mal optimisé. Enfin bref, ça c'est... On a l'habitude avec Bethesda qui nous sortent un jeu 6 mois après l'E3, qui, pour ma part, je trouve qu'il est toujours en bêta. Pourquoi je dis bêta ? Parce qu'il est mal optimisé, qu'il manque des trucs, et ainsi de suite, qu'il y a des problèmes, enfin bref. Voilà. Pour moi, Bethesda sort un jeu en bêta pour calmer un petit peu la tendance et faire en sorte que les gens ne s'impatientent pas. Parce que ça fait quand même déjà 2 ans qu'on attend un nouveau Fallout. Mais c'est toujours vendu aussi, le Fallout. On voit bien avec Fallout 4 la hype que ça a généré. Donc oui, donc je disais, l'abri 76, pour l'instant, sa localisation est inconnue. Alors, il y a des suppositions, que ce soit en Nouvelle-Orléans, à Los Angeles, à LA et tout ça, mais ça, on n'en est pas trop sûr. Sachez une chose, d'ailleurs, pour les petits incultes, les abris, leur numéro d'abri,
sont imposés que en fonction de l'ordre où ils ont été construits. Donc l'abri 76 et l'abri le 76e avoir été construit. L'abri 111, c'est le 111e. L'abri 114, c'est le 114e. L'abri 13, c'est le 13e, et ainsi de suite. Mais il y a des particularités avec cet abri. Déjà, il y a de nouveaux trucs, c'est de nouveaux décors. Donc peut-être qu'on pourrait supposer aussi ça, que le système des colonies revienne, qu'on puisse recréer un abri, et ainsi de suite, mais que d'une façon où nous, vu que dans le lore, vous allez voir, le lore de cet abri est assez spécial, est assez aussi intrigant, parce que on n'a jamais eu ça. Vous vous souvenez, l'abri 111, expérience cryogénique, l'abri 80, expérience sociale et expérience sur des maladies, l'abri 101, ça, dans mes souvenirs, c'était une expérience menée à confiner des sujets et à voir qu'est-ce qu'il allait retourner. L'abri 13, si je me souviens bien, c'est l'abri avec les ghouls et super mutants, si je ne m'abuse. Il y a aussi l'abri 24, où je sais plus, c'est dans cette tranche-là, en gros, dans les abris 20, il y a un abri qui étudiait la botanique. D'ailleurs, finalement, bah, tous les occupants sont devenus des monstres. Ça, c'est dans Fallout New Vegas, évidemment. Donc, je mélange un peu tous les Fallout. Et l'abri 13, c'était aussi un abri d'expérience, mais je ne sais plus de quoi. Ça, c'est par contre, c'est dans Fallout Oid. Donc voilà, donc le lore, je vais vous le lire. Comme je vous parle à vous maintenant, je ne l'ai pas étudié, évidemment. J'ai déjà lu, mais je ne l'ai pas étudié. Donc, je me tourne comme ça pour lire le lore. Le terminal Voltec dans la citadelle liste l'abri 76 ou 76 comme un des abris de contrôle avec 500 occupants. L'abri a été conçu pour s'ouvrir au bout de 20 ans, 20 ans après les retombées radioactives, 20 ans après les premières bombes, ce qui place le Fallout 76 assez récemment, en guillemets, dans le sens où c'est le plus anciens des Fallout, dans le sens où si on commence à partir de Fallout 4, c'est l'un des Fallout 4, c'est le plus vieux ou plus récent. Si par exemple, si on parle, vous m'avez compris, en gros, Fallout 76, c'est l'un des premiers. L'abri 76, c'est le premier à s'ouvrir, donc techniquement parlant, ça voudrait dire que on sort 20 ans après les bombes et qu'on doit reconstruire le Commonwealth ou bien les États-Unis. Parce qu'on ne sait pas si on est toujours dans le Commonwealth ou s'il y a autre chose. Donc, il était parmi les 17 abris de contrôle connus, ce qui signifie qu'il a été utilisé comme une base de référence pour comparer les expériences d'abris. Donc, c'est un abri de contrôle. Il analysait les expériences d'abris, donc l'abri 111, ainsi de suite. Donc, on peut s'imaginer qu'il y avait toujours un contact dans tous les abris, enfin, du moins. Par exemple, l'abri 80, on sait tous que le personnel est décédé et ainsi de suite. Donc, on pouvait se dire qu'il y avait quand même toujours un petit contact entre l'abri 76 et les autres abris pour mener à bien les tests et que les derniers fichiers, et qu'on pourrait imaginer qu'il y a des grosses archives dans l'abri 76 et ainsi de suite. Ce qui permettrait, évidemment, oui, je sais, je bouge beaucoup avec mes mains parce que c'est otique. Ne me posez pas la question pourquoi c'est otique. Donc on pourrait imaginer que c'est un abri qui dirige les autres abris, ainsi que l'abri comment ça s'appelle, l'abri 18 je crois, non l'abri 4, je sais plus, il y a tellement d'abris, honnêtement je les ai presque tous oubliés. De toute façon c'est un bête clic sur internet, abri 80, abri 22, abri 24, et vous les trouvez sur le wiki que je vais vous donner, vous avez tous les abris. Enfin bref, voilà, donc on continue. Alors, plus surprenant, il est également mentionné dans l'un des journaux audio de Captif des Aliens, numéro 13, enregistré par Gilles Wollstonecroft, un fonctionnaire Voltec qui a été enlevé alors qu'il inspectait le site de construction de l'abri 76. Donc, alors, on pourrait dire là, attention, complotiste, bonjour! Complotiste dans Fallout, évidemment. Bonjour. Nous sommes donc en présence là dans Fallout où on a de nouveau les aliens qui rentrent au jeu, comme dans Fallout 3 où là il y avait le DLC Mothership Zeta qui nous permettait d'aller dans un vaisseau spatial alien avec de nouvelles armes, de nouvelles fonctionnalités et tout ça. Là,
on est clairement dans le plus ou moins le même délire, si pas empiré. Dans le sens où ici, vu qu'il a été enlevé par des aliens, des aliens et tout ça, et qu'il est captif alien, je sais pas, ben en fait, le délire des aliens est respecté dans ce Fallout, encore une fois, mais poussé encore une fois le bouchon un peu haut. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde, ça va peut-être plaire à des gens qui ont aimé Fallout 3. Moi j'ai aimé Fallout 3, j'ai joué à tous les DLC et tout ça. Bon, c'est un peu dégueulasse maintenant d'y jouer parce que voilà, le moteur graphique est au plus bas. Mais voilà, donc le délire des aliens est toujours là. C'est toujours un truc qui a eu dans tous les Fallout. Donc dans Fallout New Vegas, il y avait moyen d'avoir le pistolet alien. Dans Fallout 3, il y avait moyen aussi. Dans Fallout 4, il y avait aussi le pistolet alien. Et ainsi de suite. Par contre, dans Fallout 1 et 2, comme je vous dis, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'y ai pas joué. Je ne sais pas où je pourrais trouver Fallout 1 et 2 pour essayer d'y jouer sur mon PC. Je n'en sais rien. Déjà, c'est même pas des jeux PC, Fallout 1 et 2. Je ne sais même plus c'est quoi sur quelle console. Mais voilà. Donc, cet abri est mentionné, comme je vous le disais, dans Fallout 3 et dans son contenu téléchargeable, donc dans son DLC Mothership Zeta. Donc, le DLC que je vous ai expliqué. Et aussi dans la Bible Fallout. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est un gros livre, c'est un bouquin. Bref. Donc, voilà. Donc, ce Fallout 76, si vous préférez, qu'est-ce qui va nous apporter concrètement? Je pense qu'au niveau du moteur graphique, on sera le même, d'après les images qu'on a dans le teaser, dans le trailer, on aura le même moteur graphique que de Fallout 4. Niveau du Pit-Boy, le Pit-Boy est un peu plus vieillot, un peu plus prototype, entre guillemets. Donc voilà, la combinaison d'abri, toujours la même que dans Fallout 4. L'abri ressemble à Fallout 4 et ainsi de suite, sauf que là l'abri 76 il est un petit peu plus comment dire, un peu mieux on va dire, dans le sens c'est mieux d'y vivre, je sais pas si vous comprenez. Donc voilà, donc sur ça qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire aussi que le système de colonie va être réutilisé, le système de construction on l'espère va être réutilisé et optimisé, parce qu'on se rappelle Fallout 4, tu construisais. Moi, par exemple, je sais très bien qu'il y a Sanctuary. D'un moment donné, je mettais tellement de détails dans mes constructions et tout ça. Ah, mes FPS, ils passaient de 60, parce que j'ai sa synchronisation verticale dans Fallout 4. Ils passaient de 60 à 20 FPS, alors que j'ai une bonne machine. Et non, c'est pas le prétexte, ouais, ton processeur, machin, bazar, Ryzen, ça fait mieux. Non. Stop, arrêtez de dire de la merde. Sur ça, voilà. Mais sinon voilà, donc on peut s'attendre à ça, on peut s'attendre aussi à un choix de faction. Oui et non, on peut s'attendre aussi surtout à peut-être des emmerdes avec la confrérie de l'acier, si la confrérie de l'acier est toujours là. On peut aussi s'attendre à ce que les armures assistées soient les mêmes que dans Fallout 4, je l'espère. Un peu plus belles quand même, parce que voilà, faut pas se le mentir, certaines armures, hormis la T60... Voilà, bof bof. Voilà. Et ainsi de suite. Sur X01, ça passait. Donc voilà. Donc on pourrait s'attendre à un petit peu plus de clash entre nous, entre le héros et la confrérie de l'acier. Parce que on fait partie de l'abri 76, qui est un abri, je vais dire, commandant. Qui commande un petit peu les expériences dans les autres abris et ainsi de suite. Donc on peut s'attendre, voilà, à Fallout un peu plus. Accès, pas histoire, mais but, dans le sens, bon, on va dire, les deux voilà, sont liés, mais dans le sens où on doit reconstruire le Commonwealth, on doit faire des choses, des choix pour reconstruire le Commonwealth, et ainsi de suite, ou bien je sais pas quelle région du monde, sûrement des États-Unis, encore une fois. Donc voilà, donc on ne sait pas encore la trame, c'est juste que après 20 ans, ben, on sort, donc... On va dire en 2106, pour pas dire de conneries, on sort. Donc c'est quand même 164 ans, on va dire, avant Fallout 4. Ce qui est énorme, vous imaginez, le bond dans le temps. C'est-à-dire que, peut-être que, vous voyez, les gens de Diamond City et tout ça, en fait, ce ne soient pas vraiment des gens qui sont sortis de plusieurs avris. C'est peut-être, en fait, simplement... des gens qui sont sortis des abris commandants, ou bien même la confrérie de l'acier, c'est peut-être ça aussi. Et voilà, tout dans ma tête, tout en m'aide, mais putain, tellement de possibilités, c'est tout pour ce Fallout. Ben voilà,
C'est mais ce qui est bien, c'est que ça nous apprend un peu plus de choses sur sur l'univers Fallout en quelque sorte. Donc voilà, donc on peut s'attendre à avoir le but de reconstruire le monde entre guillemets le reconstruire. Ça veut dire que peut-être qu'il y aura moins super mutants. À savoir, parce que les super mutants, il faut savoir que c'est le test d'un des abris qui est le FEV qui a transformé les humains en super mutants et non les radiations, même si les super mutants survivent quand même à des très hautes radiations. Donc voilà, donc on peut se dire il y aura moins de super mutants, il y aura moins de ci, moins de ça, moins de ça. L'enclave, au final, est-ce que les abris commandants, bah, ce serait pas aussi un peu l'enclave? Voilà. Peut-être le retour voilà, de l'enclave, ça ferait plaisir honnêtement ça, que l'enclave revienne. S'il te plaît, Bethesda, fais revenir l'enclave. Moi, ça, il me manque, cette faction me manque. Et vu qu'on est quand même 176 ans avant Fallout 4, et peut-être un siècle avant Fallout 3 et Fallout New Vegas, l'enclave est là, normalement. On l'espère, elle est là. Elle n'a pas encore été décimée par la confrérie de l'acier. Elle devrait être là. Espérons-le. Espérons-le, prions pour que l'enclave soit là. Parce que. Une nouvelle Amérique. Non, une enclave, une Amérique. Voilà, je suis un fan de l'enclave. Ne demandez pas pourquoi, je préfère l'enclave à la confrérie de l'acier. Eux aussi, leurs armures sont plus stylées. Ils ont plus un bon niveau technologique que la confrérie de l'acier. Mais bon. Enfin, quoique. Voilà. Mais voilà. Voilà, je vais vous laisser avec vos suppositions. Moi, je vous ai fait part de mon avis. On l'a analysé un petit peu, je vous ai expliqué un petit peu ce qui allait en retourner. J'espère pouvoir recevoir une copie du jeu en copie presse pour zn.net parce que je vais travailler pour eux en tant que rédacteur testeur de jeux vidéo. Donc ce n'est pas rémunéré, c'est je reçois un jeu, je teste, je testerai en toutes les résolutions et tout ça, enfin j'essaierai du moins. J'essaierai en 1080p, ultra, medium, low et tout ça pour faire un avis bien constructif là-dessus, sur les graphismes, sur le gameplay et ainsi de suite, sur l'optimisation. Même si l'ultra, on sait tout ce que c'est bullshit. Donc voilà, ça c'est un petit mot de la fin. Je vais vous laisser avec vos trucs et on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo ou bien de nouveaux streams ou bien un nouvel article. Fallout to settle. You must rebuild. I belong West Virginia. Mountain Mama. Take me home. Country roads. Take me home. Country roads. In Vault 76, our future begins.